D'abord, je suis un compétiteur. Je veux ouais, gagner. Ouais. Donc, euh, je veux faire le meilleur score pour pouvoir défendre le mieux possible euh, ouais. le monde du travail et ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Donc, euh, je sais que quand Georges Marchais fait 15% 81, d'abord, ça permet la victoire de la gauche et celle de François Mitterrand. Il y a derrière des grandes nationalisations. C'est création... considéré comme un échec historique. Il y a eu. 100, mais oui, mais. Mm. Enfin, est-ce que vous considérez que la victoire de Mitterrand en 81 c'est un échec Non, mais ça a bien. été. Ah oui, ça mais... Ça... Ouais, mais. si il gagne. Vous savez très bien que ça a été contre la direction communiste ouais. qui a. Oui, mais. <laughs> qui a... En, en, qui, a... En qui terme... a tout fait pour torpiller Mitterrand. Pour les Français, pour le monde du travail, mm -hmm. la victoire de la gauche en 81 soulève un immense espoir et il y a de grandes réformes. Et d'ailleurs, euh, la création de l'ISF. C'est Georges Marchais qui porte pendant la campagne, souvenez-vous. Au-dessus de 40 000, crac, je prends tout. Mmh. Et c'est comme ça que François Mitterrand crée l'ISF que M. Macron a supprimé. Ça a vécu, mais c'était nous. Et puis, il y a euh, la cinquième semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, enfin des réformes progressistes, dans un rapport de force entre communistes et socialistes, un rapport de force dur. Et, 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 et... Mais le poids que l'on nous donne fait que Mitterrand, il prend quatre ministres communistes. Et fait qu'il y a des réformes heureuses pour le peuple. ces grandes réformes, c'est les socialistes qui les ont fait marche-chefs et campagne en 81 pour les 35 heures, et c'est Jospin qui les a. Eh et bien, et effectivement. C'est adopté. adopté. Et, et, et ce gouvernement <coughs> euh, de gauche de Lionel Jospin, auquel là aussi il y a des ministres communistes qui participent, permettent de gagner, de marquer des points. Marie-Georges Buffet est une grande ministre des sports, reconnue, je, je ne développe pas. Euh, Jean-Claude Guessot. Donc, au mieux, vous serez ministre d'un gouvernement Mélenchon quoi. Ah, euh, ah oui, à ce attendez, attendez. Jean-Claude Guessot, ministre des Transports, c'est à cette époque-là qu'il y a 40 000 embauches à la SNCF pour développer les transports. Mais, non. mais, mais pour autant, ce gouvernement et dirigé par Lionel Jospin, ne fait pas le choix de s'attaquer aux traités européens, et il y a une série de délocalisations, il y a euh, le chômage euh, qui frappe la France, le monde ouvrier euh, souffre, et la sanction, elle tombe derrière. Et donc ça n'a pas suffi. Et c'est pour ça qu'on a tiré les leçons de ça. On a tiré les leçons de cette époque. Quand les ministres communistes allaient voir euh, le ministre de l'économie, euh, Strauss-Kahn, le fameux, et qu'on demandait des réformes, mmh. ils disaient, ah, c'est euro-incompatible. On ne peut pas, c'est bien, hein, vous avez raison, mais avec l'Europe, on ne peut pas le faire. C'est ça qui nous a tués. Et ça, il faut, il faut revenir sur ces dogmes libéraux et reprendre le pouvoir à la finance. Dans votre équipe, il y a un nom que l'on associe à l'histoire du Parti communiste. Olivier Marchais, le fils de Georges Marchais, est à vos côtés, votre pote. Michael Robert et Audrey Payas, vous ont demandé si vous étiez en train de révolutionner le, le Parti communiste français. Que votre père aurait pensé de Fabien euh, Roussel Est-ce qu'il est qu l'héritier euh, de votre père Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux hommes Fabien, Fabien a à cœur de combattre les injustices, il a à cœur d'incarner la défense, la défense et la dignité des gens qui vivent de leur travail, du monde de la création. S'il y avait un point de, de similitude, ce serait peut-être peut celui-là. Il prononce jamais ou presque jamais le mot communiste. En tant que fils de Georges Marchais, est-ce que ça vous choque ah non, ça me choque pas du tout parce que euh, c'est bien Fabien Roussel présenté par euh, le Parti communiste, mais maintenant c'est un candidat à l'élection présidentielle. Et donc euh, sa personne, son projet est ouvert à tous les électeurs, à toutes les électrices. Dans vos discours, vous prenez donc rarement le mot communisme. Pourtant en 2004, pendant la campagne des cantonales à Lille, vous affichiez clairement la couleur. Un point levé sur fond d'usine avec un message sans équivoque, c'est le cri de colère qu'a voulu porter ce jeune candidat au cantonal à Lille pour réveiller une campagne somnolente et remobiliser sur les luttes sociales. On s'adresse donc aux gens, aux salariés qui sont jetés comme des, comme, comme des Kleenex après avoir été utilisés. On s'adresse à, à ceux qui en ont marre de ce qui se passe en ce moment et qui ont envie de mettre un coup de pied à... à... À quoi à, aux institutions qui servent à rien. L'affiche est une initiative personnelle de Fabien Roussel et ne fait pas partie de la campagne officielle du Parti communiste. De... Je vote communiste et je t'emmerde. Bon, finalement, vous n'avez pas choisi ce slogan-là pour 2022. Hein. Non, mais d'abord, ce dessin est un dessin fait par Charbe, mon ami. Et euh, c'était, euh, je lui rends hommage. C'était un dessin et une idée euh, de Charbes construite ensemble. Et puis, à l'époque, regardez ce qui est écrit au-dessus 10 000 licenciements en un an chez nous, dans le Nord. Ça pleuvait comme un gravelotte et beaucoup d'usines fermées étaient délocalisées. Et il y avait un sentiment de colère énorme. Et il euh, y avait plein d'autres affiches. Hein. Mais, Mais... celle-là, c'était, j'avais envie de pousser un cri de colère. C'était ce, voilà, c'est pas bien, c'est un gros mot. Voilà, c'est pas bien. Mais vous disiez que vous étiez, que vous votiez communiste, ça, ça disparaît un peu Alors, là. Non. Ce mot-là, il disparaît. Ça plaît pas à tout le monde. Là. Les écolos parlent d'écologie, les féministes de féministes et, et de féministes, et nous jamais de communistes. Ça, c'est le philosophe Bernard Vasseur qui le dit. Ancien membre de, des cabinets de Georges Marchais. Hein. Il mais... vous reproche même de faire populo. Non, 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 mais parce que euh, on, on se présente pas, je pense, à une, éthique, à, à une élection présidentielle. Avec une étiquette, et je ne demande pas aux Français de voter pour l'étiquette ou pour le parti que, que je représente. Je suis soutenu par le Parti communiste français qui m'a désigné, mais les soutiens euh, qui, euh, qui mm -hmm. sont avec moi dans cette élection sont bien plus larges, bien plus divers que cela. Et donc je parle à tous les Français, je veux les représenter dans leur grande diversité. Et je vois d'ailleurs des gens qui me disent aujourd'hui, parce que ça commence ouais. à bouger, j'ai jamais voté euh, communiste. D'ailleurs, je ne voterai pas communiste, je voterai pour vous. Ou des gens qui me disent euh, j'ai euh, voté à droite, mais là, je vais voter pour vous. Des euh, je... gens de droite, oui. voire d'extrême droite Il euh, y a des gens qui votent, qui ont voté euh, Marine Le Pen, qui vont voter pour moi. Parce qu'ils ont le sentiment que, je, euh, que ce sera plus utile, et pour porter leur colère, et pour la transformer en. en, ouais. en en, en, en solution euh, réelle pour eux. En fait, si j'arrive à faire en sorte que pour euh, une partie de, de l'électorat en, en colère populaire, si j'arrive à, à, à expliquer que le problème, ce n'est pas les ouvriers, et que si ce n'est pas les immigrés, et que si les usines ferment, si nos hôpitaux sont en difficulté, euh, si Bridgestone a été délocalisé, ce n'est pas à, faute de, à cause de l'immigration massive. C'est parce qu'aujourd'hui, on a une économie de marché qui fait que c'est la concurrence libre et non faussée, que euh, un groupe, Bridgestone, préfère délocaliser euh, son usine de pneus en Hongrie parce que les, les, les coûts sont moins chers, euh, alors qu'il devrait rester en France, qu'on devrait empêcher euh, euh, ces délocalisations. Et donc, je ne veux pas qu'il se trompe de colère et qu'il se trompe d'ennemi. Si vous... C'est pour ça que je veux porter ça, mais avec un esprit de justice sociale, de valeur humaniste, de solidarité, de fraternité et de jours heureux. Oui, et puis vous avez votre manière de parler à tous les Français et à l'électorat populaire, comme vous l'appelez, comme le 9 janvier dernier sur le plateau de, de France 3. Emmanuel Macron a été nommé Personnalité de l'année par la revue du vin de France pour son engagement en faveur du vin et de sa culture. J'ai vu ça. Ah, c'est bien de défendre le vin. Moi-même, j'aime bien un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Pour moi, c'est la gastronomie française. Mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Alors, cette sortie sur votre abond du bon vin, du bon beefsteak, de la gastronomie française n'a pas du tout plu aux défenseurs du véganisme, du multiculturalisme, ni à certains insoumis euh, ou écolos. Sandrine Rousseau vous rappelle au passage que le plat préféré des Français, c'est le couscous. Face à la polémique, vous vous assumez et vous en mettez, remettez même une couche. Quelques jours plus tard, vous vous rendez euh, à l'école professionnelle de la boucherie de Paris pour parler du prix de la viande. Et puis, vendredi dernier, on vous a suivi à Saint-Amand-les-Eaux sur un marché. Et c'était une. Démonstration d'un vrai amateur de bonne chair en campagne. Euh, un verre par jour, pas plus. Ça ne peut pas faire de mal. La goffe, c'est quand même euh, à la vergeoise. C'est de chez nous. Et J'ai promis de ramener du maroilles en Corse. Ça, c'est un pot de chevleche. C'est un mélange de viande froide en gelée. Du lapin, du poulet, du veau, peut-être du porc. Gastronomie. Française, lapin, poulet, veau, et on verse dessus des frites chaudes et une petite sauce. Ah, moi je suis plus bière, <laughs> donc on va y aller. Alors, avec Louis Amard et Anaïs. Avec reculé. Louis a et Annaïs Avec, et avec modération. Montrez que vous êtes incollable en poche l'évêche ou en tout cas que vous préférez poche <laughs> Ou vous préférez le biftec au quinoa. Ça c'est votre recette pour vous démarquer des multiples candidatures à gauche? Non, c'est tout simplement une manière de dire que l'alimentation, la, la bouffe, le bien-manger, c'est sacré en France. Voilà, un repas de famille et bien-manger, c'est sacré. Il faut manger en faisant attention, il faut boire avec modération, euh, mais c'est tellement sacré que c'est important et quand on ne peut pas bien manger. Parce qu'on mmh. euh, n'a pas assez de sous pour ça, qu'on ne peut pas mmh. se payer une bonne viande, un bon fromage. Un bon fromage, c'est euh, plus de 20 euros le kilo hein, quand même, hein. enfin, sauf quand il y a des promos. Mais c'est cher quand même, un bon fromage. Et donc, euh, euh, un bon beefsteak aussi, euh, ouais. quand on va aller l'acheter chez le, bouche, le boucher, quand on veut être certain de son étiquette, de là où il vient, c'est cher. Et donc, ça commence euh, à, à, à gronder.